Ah oui, c'est pas là. Lorenzo, c'est les docteurs qui ont décidé. C'est parce qu'elle a pu à cette dialyse. On était plus peu l'emmener. Moi et Sylvie, on se battait avec pour qu'il y ait cette dialyse. Mais avant, on peut se parler durant le
Grand-papa Lorenzo, aujourd'hui, malgré la tristesse de te voir partir, nous ne pouvons que célébrer l'homme d'exception que tu as été, ainsi que la vie admirable que tu as menée. Les personnes présentes aujourd'hui, qui ont eu la chance de te connaître et de te côtoyer, se souviendront d'un homme heureux, aimant, drôle, respectueux, généreux et courageux. Grand-papa, tu étais un bon vivant, tu avais toujours le bon mot pour nous faire rire et nous faire sentir important. Tu avais toujours un regard bienveillant envers tous. Quel privilège et quelle joie pour nous, tes petits-enfants, d'avoir eu un grand-père aussi exceptionnel. Un homme travaillant et un homme de conviction, qui a tout fait pour bâtir sa famille avec la femme qu'il aimait et qui s'est battue pour que sa famille ne manque de rien. Tu as comblé notre grand-mère et tes enfants de bonheur et tu as toujours été présent pour les gens que tu aimais. Et nous, petits enfants, nous avons reçu tellement d'amour et d'attention qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans toi. Tu nous auras transmis ta joie de vivre et cette façon d'aborder la vie avec humour et amour. Que de beaux souvenirs nous avons avec toi depuis tant d'années. Tu avais trouvé ta façon à toi de me dire je t'aime en me faisant des câlins trop forts ou encore des poignées de main trop fortes. Je l'aimais tant ce petit rituel avec toi, il va manquer à ma vie. Grand-papa, tu étais aussi un excellent orateur. Nous aimions tellement t'entendre nous conter les histoires de ta vie et de chouiner avec toi. Tout ce que tu as pu nous apprendre, toutes les histoires que tu as pu nous raconter, nous le transmettrons à nos enfants, sois-en certain. Nos derniers mots iront à notre grand-mère, qui a tout donné jusqu'à la fin pour que son mari puisse partir en paix. Elle s'est battue à ses côtés et l'a toujours soutenu, comme il a su faire toute sa vie auprès d'elle. Merci grand-maman pour ton courage et ton amour pour l'homme de ta vie qui tu es destiné. Sache que nous serons toujours présents pour toi. Cher grand-papa, au nom de toute ma famille, merci pour tout. Merci d'avoir été là. Tu vas tellement nous manquer, mais ton souvenir restera vivant dans mon cœur et dans mon vie. Ton rire singulier restera à jamais gravé dans mon souvenir. On t'aime, grand-papa et petits-enfants. Un Dieu qui a accepté de venir dans notre monde.
pour nous sauver. Et le signe du salut, c'est d'abord la croix de Christ. Cette croix qui a ouvert le portail tout à l'heure. Cette croix qui nous fait entrer dans le mystère d'un Dieu d'amour. Et l'autre signe qui est inséparable de la croix, c'est le ciel pascal. On va maintenant allumer, qui symbolise le Christ ressuscité. Alors, bien, très tard, s'avancer pour allumer le ciel pascal. Mais par des actes et en vérité.
En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Permettre de cheminer puis de ne trouver un sens.
sens à travers ce que l'on vit, spécialement les événements les plus difficiles. Alors, face à cette situation douloureuse, la foi nous permet de dire qu'il y a un sens. Il y a un sens quand on contemple Christ en croix, parce que lui-même est mort, lui-même a donné sa vie. Puis de l'autre somme, l'espérance, elle, ce qu'elle vient nous dire, c'est qu'elle nous dit qu'il y a une vie après la mort, que ça ne se termine pas avec la mort, mais que la vie continue, mais d'une autre manière. Alors, ces deux sommes-là nous font entrer dans ce grand mystère. Le mystère du Père qui accueille son enfant bien-aimé dans sa mère. Alors, ça, c'est une promesse que de Jésus. Et cette promesse-là, on vient au juste de l'entendre. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que vous aurez dit de prendre et préparer une place? Alors, cette promesse-là, ben, elle se réalise pour maintenant pour Lorenzo. Alors, Lorenzo qui est accueilli par un père et mère, avec le fils qui lui montre sa place. Et dans la première lecture, Saint Jean nous fait part en tant que croyant de sa vision de la vie chrétienne. Comment on doit vivre notre vie chrétienne? Et c'est tout simple, mais convient-il? Aimer comme Jésus a aimé, aimer à la manière de Jésus. Nous pouvons reconnaître en Jésus l'amour, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Alors Saint Jean nous dit, voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Alors Jésus donne sa vie par amour afin de nous permettre d'entrer dans un monde nouveau. Alors Jésus, il nous a montré le chemin de l'amour. Il nous invite à nous aimer les uns les autres. Non pas seulement par des paroles, mais par des actes. Alors l'amour s'est fait chair dans la vie de Jésus. Alors tous les évangiles montrent un homme compatissant pour les plus malades. Nous avons un homme qui annonce un Dieu de miséricorde. Un homme qui accueille personne qui se présente à lui. Alors Jésus, c'est l'amour incarné de Dieu. Comme on le dit si bien, si Dieu est amour, Jésus est amour. Et l'amour s'est fait aussi chair dans la vie et la personne de Lorenzo. Que ce soit avec sa famille, dans son lieu de travail, Lorenzo a démontré un amour désintéressé. C'est-à-dire qu'il se souciait des autres, il souciait soi-même. L'amour, c'est le don de soi, c'est donner. Et Lorenzo a pratiqué pendant 7 ans cette valeur du don de soi. Il a été un homme d'une grande simplicité, généreux de sa personne. Et ce sont là des qualités qui nous montrent un don de soi. Qu'il a manifesté envers son épouse Pierrette, ses enfants et petits-enfants adoptifs. Et il l'a montré également beaucoup d'amour envers le Seigneur. Alors l'amour, ça ne se trouve pas dans les grands gestes ou dans les grands événements. On aime d'abord dans la vie quotidienne. Et je pense que Lorenzo en est la preuve. Il a prouvé son amour à ses proches tout au long de son quotidien de la vie. Tout à l'heure, on va célébrer l'Eucharistie, le
car ici c'est le repas de l'âme. À chaque fois qu'on célèbre ce sacrement, ben c'est l'amour de Jésus qu'on célèbre. Et aujourd'hui, on va célébrer l'amour de Jésus à travers l'amour de Lorenzo. Amen. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à la foi et à l'espérance, alors que notre prière maintenant se fasse unanime. Après chacune des intentions, nous invite à l'écouter toi, Seigneur de ton amour, et invite-le à venir de l'écouter. Seigneur, nous te prions pour notre frère Lorenzo, qu'il trouve auprès de toi la joie de l'enfant qui retrouve son père. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont attristés par la perte d'un être cher, qu'ils trouvent dans la foi le courage et la force d'aller plus loin que leur peine. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous les élèves dont la santé est chancelante, qui trouvent autour d'eux des frères et des sœurs pour les aimer, les soigner et les encourager. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les pauvres de toutes sortes, pour les personnes vivant avec un handicap, pour tous ceux et celles qui vivent des épreuves, qu'ils gardent confiance, car tu leur réserves de grandes joies. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, qui les anime, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Qui vient de nous quitter. Reçois-la près de toi. Affermis la foi et soutiens l'espérance de ceux et celles qui te confient celui que tu aimes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez nous asseoir, nous allons maintenant recueillir vos dons. Thank you.
Afin que du levant du soleil, une offrande pure soit présente.
ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de Jean-Christ, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'appuyons l'oblation de son Église. Daigne et reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel offrande de ta gloire, que nous obtenions un jour l'héritage de votre vie, avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, et tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton sort. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant monde entier le sacrilège, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre frère François, notre évêque Hérange, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi très précisément tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Lorenzo, de quitter ce monde, et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été mis à la mort de ton Fils, accorde-lui de partager à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la terre ceux et celles qui sont morts, il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps mort. Souviens-toi de nos frères et sœurs pécheurs. Souviens-toi de ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta foi, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras le plan de nos cieux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes le monde, te grâce et nous. Par lui, à tes à toi, Dieu, le Père, le Fils, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur pour toi, siècle des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, dans la paix de notre terre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de tout épreuve. Nous qui attendons que se réalise une bienheureuse espérance d'avènement de Jésus-Christ dans notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que vous laissez la paix, que vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers nous qui partait. Bonne nuit et règne des siècles et des siècles. Amen. La paix du Seigneur. Et avec votre esprit.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole de Dieu et guéris.
Nous avons communié, Seigneur, le sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions pour Lorenzo. Fais que purifié dans la mort de Christ, il est en partant de la gloire des éminents, viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, avant de terminer la célébration, prenons le temps de saluer une dernière fois notre ami Lorenzo. Alors, dans un premier temps, je vous invite à vous recueillir dans la prière, dans le silence, pour offrir à notre Dieu tout ce qui a eu de près de vous de grand dans la vie de Lorenzo et recueillir ainsi les fruits du Seigneur. Thank you.
délivre-le maintenant de toi. Il a quitté ce monde et commence, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la quoi il a fait avec ton Fils et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Que toute vague d'affection reste d'amitié, que vous donnerez soit pour vous aussi de cette paix qu'ensemble nous avons cherché, et que Dieu puissant vous bénisse, Père, Fils et le Saint-Esprit, et amen. Dans la paix de Christ, après l'immersion sanctuaire, et soit servi au centre des loisirs, Monseigneur de la Marche.